Les amis, nous sommes partis pour la séance 7 sur 20 du programme Wake Up pour être toujours au taquet. Aujourd'hui, toujours du cardio fondamental avec une petite orientation, un petit spécifique sur le bas du corps. On va venir travailler le bas du corps et venir le renforcer. Je vous souhaite une très bonne séance. On va attaquer d'abord par l'échauffement. Allez, bonne séance à tous. Allez, on est parti sur les bras. Vous mettez de l'amplitude sur les bras. Alors, voilà. Commence à travailler, même si ce matin, on ne va pas être sur le haut du corps, le renforcement du haut du corps. N'hésitez pas à marcher en même temps. Mettez de l'amplitude avant, arrière. Et l'avantage, c'est que ça permet de dérouiller aussi le haut du corps. Puisque quand on travaille le bas, il faut avoir le haut aussi qui soit mobilisé. Alors, une séance orientée sur le bas du corps. Allez, en arrière. Donc, on va insister sur l'étirement juste après, en fin de séance, sur le bas du corps. Une séance normalement qui vous emmène des courbatures à plus de 48 heures, normalement. Allez, on est parti encore. Très bien. Allez, on va venir faire une petite rotation du tronc, voilà, comme ça. Voilà, très doucement. Pour l'instant, on ne va pas trop derrière. La tête toujours bien qui reste dans l'axe. Ça, c'est pour les revers, pour les golfeurs. Voilà. Toujours la tête qui reste bien. Les bras, voilà, 90 degrés, très, très haut. Voilà. Là aussi, ça fait travailler les genoux avec cette petite rotation. Les hanches. Allez, on va commencer aussi un peu à aller chercher derrière. Alors, on respire bien. J'insiste énormément à chaque fois sur la respiration. On respire par le nez, on souffle par la bouche. Quand on n'est pas en train de parler. Ah, très bien. On va venir travailler sur les adducteurs, toujours pareil. Voilà, on vient chercher, on ferme. Voilà, allez bien chercher derrière. Très bien. Allez, on va chercher derrière. Très bien. Super. Allez, on fait le petit pas en arrière, en avant. Le petit pas en avant bien dynamique. Voilà. Quitte même un petit peu à engager le tronc vers l'avant, là, comme ça. Voilà. Très bien. Voilà. Allez, on va venir ouvrir. Pareil. Hop. Par contre, on n'est pas voûté sur. On est bien le dos droit. On ouvre bien, on décompose bien, on lève, on tourne. Alors regardez, ce petit pas en avant, ce petit pas en arrière. Pardon, en arrière et en avant plutôt. Voilà. Très bien. Allez, on va venir continuer un petit peu sur place comme ça, mais on va faire un petit peu un travail de sauter là comme ça. Travailler un petit peu les mollets, un pied sur l'autre, comme si on était sur la corde à sauter. Allez, on ne lâche pas comme ça les bras. Non, les bras sont bien durs, bien gainés. Allez. On a déjà travaillé le renforcement du dos. Voilà. Allez, rajoutez même une fausse corde à sauter, le R corde à sauter. Voilà, mobilise les bras en même temps. Allez, on va rester toujours dans le même exercice, mais toutes les 5-6 répètes, on va venir faire un petit squat comme ça, d'accord? Allez, top, voilà, et on remonte, on reprend. Et on descend, tranquillement. Toujours pareil, les genoux qui ne dépassent pas la pointe de pied, donc on emmène le cul vers l'arrière, on est bien droit. Hop, utilisez même les bras vers l'avant, voilà. Très bien. On respire toujours. Voilà, super. Allez, une dernière. Hop, et on double. Hop, là, super. On vient remonter le rythme en avant, en arrière. Voilà, tranquillement.
Allez, en avant, en arrière. Alors, on va rajouter aux extrémités des petites montées de genoux. Allez, 6 répétitions. On est en souplesse. Allez. Très bien, encore un aller-retour. Super, marchez. Allez, hydratez-vous. Allez, 1 minute avant d'attaquer. Donc, c'est du cardio intégré ce matin avec le spécifique renforcement du bas du corps. On est sur 45 secondes de travail, 15 secondes de récup. Le plus important, ce n'est pas de la vitesse, ce n'est pas de la quantité, c'est de la qualité. Donc, quand on fait les montées de genoux, voilà, on est sur des belles répètes. Montée de genoux croisés, pareil, on va bien chercher en haut au maximum. On tourne bien, 30 secondes. Les jumping jacks, pareil, comme ça, avec ou sans les bras, pour ceux qui veulent ou qui peuvent. Les fentes avant, je vous l'ai expliqué, attention, pas avoir le genou qui dépasse la pointe de pied. Vous êtes prêts les amis? On attaque dans 5 secondes par les montées de genoux. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on est bien souple tout de suite. Imprimez un rythme. Allez, on est parti sur 45 secondes. Allez, on utilise bien les bras. Allez, 15 secondes. Trois, deux, un, posez. Marchez. On imprime tout de suite un rythme sur le cardio. 5 secondes, montée de genoux croisés. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on se déplace bien. On est très dynamique. Alors, dynamique, ce n'est pas forcément de la vitesse. C'est simplement les appuis, pas de talons au sol. Voilà, on tourne bien. On va bien chercher avec ses bras opposés. Voilà. Par contre, on n'est pas voûté quand on tourne comme ça. On est bien droit. Voilà. Allez. Super. 15 secondes. Voilà. On respire bien. 5, 4, 3, 2, 1. Super. Marchez. On va rester dans une certaine position. Là. Largeur bassin. Pieds parallèles pour les squats. 3, 2, 1. Allez. On descend. On est à son rythme. Allez, on est bien droit. Utilisez les bras. Vous les lancez vers l'avant. Les bras ne sont pas passifs, le haut du corps. On reste bien droit. On emmène le cul vers l'arrière. Pied bien parallèle, largeur un peu plus que le bassin. Allez, 15 secondes. On descend à 90. Trois, deux, un, posez. Allez, on sera sur un jumpy jack, donc avec ou sans les bras. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on est bien en rythme. Je
Toujours pareil, hein, pas de talons au sol. Super. 10 secondes. Encore. 3, 2, 1. Super. Marchez. On sera sur les fentes avant. Donc, le pied est bien parallèle. On va lancer le pied vers l'avant et le genou opposé va aller dans le sol. On décompose bien. 3, 2, 1. J'ouvre et je descends. Et je reviens. Voilà. Toujours le dos bien droit. Belle ouverture, je décompose. N'est pas sur de la vitesse. Allez, 15 secondes. Cinq, quatre, trois, deux, un. Super. Marchez. Bougez les petites cuisses là, comme ça. Sera un travail cardio. Ciseaux devant. Trois, deux, jambes tendues. Un, c'est parti. Allez, là, on peut commencer un peu avec beaucoup plus de dynamique. Allez, on utilise toujours bien les bras. Super. Allez, 20 secondes. Allez, c'est une très belle séance ce matin pour vous, là, pour nous. Allez, 5 secondes. Encore. Top. Marchez. Prochain exercice, shuffle. Donc, c'est un pas glissé sur le côté et on vient bloquer et en levant le genou opposé. 5, 4, 3, 2. Je glisse en descendant et je monte tout de suite. Je glisse et je ramène le genou très haut. Hop, je suis bien en équilibre, le haut du corps est bien mobilisé. Voilà, je descends bien sur le pas glissé. Voilà. Voilà, super. Travail d'équilibre en plus. Si vous y arrivez, c'est à monter tout de suite à l'équilibre. Voilà. On descend bien. Sur le pas chassé, le pas glissé. Voilà. 3, 2, 1. On en fait une. Super. Très bien. Ouh. On va être en déplacement latéraux. D'accord? Et monter de genoux sur les opposés. 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on repart. Allez, très bien. Le haut du corps est toujours mobilisé, très dynamique. Voilà. Allez. On est assez haut sur les pas chassés pour l'instant. Tout à l'heure, on les descendra. Allez. 5 secondes, encore. On a le temps d'en faire une. 2, 1, posé. Wouh! Prochain exercice, on va être sur les fentes arrière. Donc, on lance bien la jambe vers l'arrière. On descend bien le genou avant de faire le squat. 3, 2, 1. Je lance bien derrière, je descends, je suis bien droit. Je lance bien vers l'arrière, je change à chaque jambe. Allez, très bien. Les bras vers l'avant si vous voulez pour l'équilibre. Voilà.
Donc là, tout ce qui est fessiers, ceinture abdominale, dorsale, bien sûr, les cuisses. Allez, 15 secondes. On n'est pas sur un nombre de répètes, on est sur de la qualité. Cinq secondes, super. Top. Très bien. Pour l'exercice qui suit, c'est le mountain climber. Donc, pour ceux qui ont une petite défaillance du haut du corps, vous pouvez être en montée de genoux. Allez. Main au sol. Prêt. C'est parti. Allez, on est bien ancré dans le sol. On est bien droit. Allez, un bon travail de cuisses là, d'abdos. Allez, 10 secondes encore. Peut avoir les épaules qui dépassent un peu les mains. 3, 2, 1, posez. Super. Très bien. Premier tour validé. Super. On va revenir sur les montées de genoux en déplacement latéraux par contre. Prêt, top. Allez, très bien. Je suis toujours en montée de genoux, mais je me déplace latéralement. Imaginez comme si vous aviez une petite échelle ou des petites barres et vous vous déplacez. Ah, c'est plus du tout le même effort déjà là, quand on se déplace. Allez, c'est pas agressif. Super. 3, 2, 1, posez. On sera sur les montées de genoux croisés. Trois, deux, un. Allez, on se déplace. Allez, vous devez déjà les sentir un peu les cuisses là du premier tour. C'est un petit peu ankylosé. N'ayez pas peur, ça va bien se passer. C'est normal. Comme disait un film, c'est normal. Allez. Super là, je vous vois tous. Et tous, on est super bien là. Super. Très bien. On peut prendre les bras très haut et les emmener. Petit travail supplémentaire. Posez. Super. Marcher. On va être sur le travail de squat. Donc les pieds bien parallèles, largeur un peu plus de bassin. On utilise bien les bras vers l'avant et les genoux qui ne dépassent pas la pointe de pied. 3, 2, 1, c'est parti. Voilà. Et on descend à 90. On pousse bien les fessiers vers l'arrière, là, le cucu vers l'arrière. On est toujours bien droit. Super. Toujours, on n'est pas dans de la vitesse. Renforcement. On respire toujours. Très bien. Nez, bouche. Allez, 10 secondes encore. Très bien. Trois, deux, un. Super. On sera sur le jumping jack. Jumping jack croisé. Hop, on croise les jambes. 3, 2, 1, vous prenez une ligne au milieu et on passe par-dessus.
toujours très dynamique. Le haut du corps, même si vous n'utilisez pas les bras, en tout cas, on n'est pas passif. Voilà, allez. Allez. Très bien. Super. Allez, 10 secondes, on est bien là. Trois, deux, un, marchez. On va passer à la fente avant. Je rappelle, on lance bien la main, le pied. On descend bien le genou sur le sol. 3, 2, 1. Et je descends. Très bien. Belle ouverture. On peut utiliser les bras là, pour être bien droit, bien aligné. Le genou qui ne dépasse pas la pointe de pied. Super. Allez, 20 secondes. On n'est pas sur de la vitesse. Allez, 10 secondes. Ah, le sport comme le meilleur des remèdes, contre tout ou pour tout. Top, super. On sera sur les ciseaux avant, jambes tendues. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on utilise bien les bras. Allez. Ça y est, on est bien chaud, là, on est au milieu du deuxième tour. Allez, les amis. Allez, on se motive. Très bien. Allez, on est toujours en mouvement. On respire toujours. Allez, 20 secondes. On lance bien les jambes vers l'avant. Voilà, on peut aussi mettre un peu plus d'amplitude. Allez, 5 secondes. 3, 2, 1, posez. Très bien. On va être sur le shuffle, donc le pas glissé sur le côté. Et prise d'appui pour monter à l'équilibre. Donc là, on va bien descendre sur le pas glissé. 3, 2, 1. On descend bien. On monte. On descend très bas. Et on monte. Exagérez même le geste. Toujours tes droits. Voilà. Allez, descendez bien. Limite au squat, même un peu plus bas. Et on ramène le pas en glissant. Travail d'adducteur en même temps. On reste 2-3 secondes. 1, 2, 3. Et on repart, on glisse. On est bien à l'équilibre. Allez, 10 secondes. Super. On descend bien, on exagère même le geste à la descente. 2, 1, super. On va être sur les déplacements devant, derrière et à chaque extrémité, un squat. 3, 2, 1, vers l'avant, je pose, squat. Vers l'arrière, squat. Vers l'avant, squat, on descend bien. Très bien. Hop. Même si on n'a pas beaucoup de distance. Très bien. Un petit pas, deux petits sautillements. Hein. Très bien. Voilà. On a toujours le droit bien droit, le dos bien droit, pardon. Hop. Allez, 15 secondes. Ah, celui-ci, il fait du bien. Aucune cuisse. 5 secondes. Très bien. 3, 2, 1. On fait la dernière. Allez, voilà. Très bien. On marche. On va être sur les fentes arrière, d'accord? 3, 2, 1, on envoie vers l'arrière, on descend.
Pareil, on n'est pas sur de la vitesse. On envoie, on descend. On envoie, on descend, on est toujours bien droit. On utilise les bras vers l'avant pour s'aider, pour surtout garder bien la tête bien droite et le dos. Faut pas creuser le bassin là. Allez, 15 secondes. Super. 10 secondes. Super. 3, 2, 1. Très bien. L'exercice d'après, mountain climber. Donc pour ceux qui ne peuvent pas, c'est talons aux fesses. Trois, deux, un. C'est parti. On est bien gainé. Les épaules un tout petit peu avant les mains. Allez, on a une belle amplitude. On n'est pas voûté. On est bien droit. Travaillons un peu plus le renforcement là, du dos. Allez, 20 secondes. On tient. Dernier exercice du deuxième tour. Allez, 5 secondes, on pousse un peu. Encore. 3, 2, 1, posez. Marchez, hydratez-vous, on a un petit peu de récup. Ouh. Ah, ça fait du bien. Caliente, caliente les cuissots. Je parle super bien espagnol. Ouh, je viens de m'en rendre compte. J'en profite pendant la pause. Comme je le disais à certains, le programme Wake Up va exister tous les mois. Donc dès le mois prochain, si vous le souhaitez, les amis, par affiliation, si vous faites rentrer des gens dans le programme, vos programmes sont gratuits. On a grandi, on essaie d'agrandir le plus possible et de mettre des gens, voilà, dans le, qui ne savent peut-être pas faire les démarches, qui n'ont peut-être pas aussi non plus, alors je ne vais pas dire ce courage, mais cette prise d'initiative. Donc si vous pouvez être moteur, parce que sachez une chose, c'est que le sport, justement, cette dynamique, cette routine quotidienne qu'on s'impose pour notre bien-être, pour beaucoup de choses, bah, sachez une chose, c'est que ça nous rend des personnes aimants. Alors aimants dans le sens sentimental, mais aussi aimant, attractif. Vous êtes dynamique, vous êtes souriant, vous êtes de bonne humeur, vous avez un peu moins de stress. Et bien, toutes ces personnes-là autour de vous le ressentent. Et donc, vous avez un équilibre, que ce soit mental et en plus physique, qui est lié. Et vous êtes attractif, sachez-le. Les amis, nous allons attaquer le dernier tour. Pour rappel, le dernier tour est une minute par exercice et sans s'arrêter. Donc, il y en a 4, 8, 4, 8, 10 exercices. On attaque dans exactement 20 secondes. Donc, ça veut dire qu'on en a pour quelque temps. Encore à passer ensemble. Sur toute la partie cardio, je vais que vous vous mettiez dans le rouge maintenant. D'accord? Sur le dernier tour. On est à la septième séance. On peut commencer à se mettre dans le rouge. Donc, ne calculez pas l'exercice d'après. Faites-le à l'instant. Faites à fond ce que vous faites à l'instant et on verra pour l'exercice d'après. C'est bon, les amis. 20 secondes. Encore un petit peu de récup. On va commencer par les montées de genoux. 15 secondes. Donc là, tout ce qu'on fait, on dépasse un tout petit peu ses limites. D'accord? Allez, on se met dans le rouge dans 10 secondes. On est mardi, on aura le temps de récupérer sur cette semaine. 3, 2, 1, montée de genoux, c'est parti les amis. Allez, allez, on se met un peu dans le rouge là. Allez, on monte le rythme. Allez, faites ça pour vous. On utilise bien les bras là. Tirez bien là, comme si vous tiriez à chaque tirée là. Regardez avec les bras. Ha, ha. Allez, on tire. Allez, on a les pas dynamiques,
n'est pas dynamique, ce n'est pas de talon au sol. Quand on marche dans la rue, quand on marche au bureau, quand on marche au boulot, quand on marche dans la vie en général, un pas dynamique, tout de suite, ça influe quelque chose. Ça insuffle quelque chose. Et ça donne un message aux autres. C'est que moi, je suis prêt. OK, les amis, allez. Allez, 20 secondes. On peut encore, on peut encore. Allez, 15 secondes. Très bien. On sera sur les montées de genoux croisées derrière. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on y va. Très bien. Allez, on est dynamique. On va bien chercher. On ne se voûte pas. D'accord? On reste bien droit. La tête bien alignée. On est bien fier. On peut l'être parce qu'on est présent. Encore une fois. Allez. On pourrait faire cet exercice-là à peu près pendant 1 heure, j'ai l'impression. Vous êtes tellement bien là. On est tellement bien. Allez, on ne calcule pas. 20 secondes. Super. 15 secondes, on sera sur les squats derrière. Donc, ce n'est pas de la vitesse, ce n'est pas de la quantité, c'est de la qualité. 5, 4, 3, 2, pieds bien alignés et on y va. On utilise bien les bras. On emmène le cul vers l'arrière. Attention, les genoux qui ne dépassent pas la pointe de pied. Voilà. On descend à 90. Super. On respire bien, 30 secondes. Allez, utilisez bien vos bras pour étirer votre dos, pour gagner la bonne posture du dos. Allez, 20 secondes. On respire toujours. On sera en jumping jack croisé derrière. 10 secondes. Allez, on repartira dans le cardio là. 5, 4, 3, 2, 1. Jumping jack croisé. Allez, c'est parti. Avec ou sans les bras. Si vous ne faites pas les bras en haut, bien mobilisé là. On est bien dur du haut. Allez. Allez, il y a un petit trait. Vous choisissez un trait. Vous dépassez de chaque côté. Allez. Super. Super, très bien. On rebondit là. On est des marsupilamis. Allez, exagérez bien devant, derrière. Allez, 10 secondes. On sera sur les fentes avant. 5, 4. 3, 2, 1, super. Tout de suite, on y va. On emmène la jambe vers l'avant, on descend. Super. Utilisez bien les bras. Voilà. On pousse là. Allez, repoussez les choses là. On les affronte. On respire bien. Allez, 30 secondes. C'est je lance bien vers l'avant, je descends le genou et le genou ne dépasse pas la pointe de pied. On n'est pas sur de la vitesse. Travaille la bonne posture. Super. 5 secondes. On sera sur les ciseaux avant, jambes tendues. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, très bien. Allez, on commence à mettre un peu d'amplitude. Allez, très bien. Le haut du corps est bien sensibilisé, bien mobilisé.
On peut même exagérer. C'est-à-dire que quand on lance, hop, allez, on a la jambe tendue, mais vraiment pointe de pied. Comme les petits rats de l'opéra, hein? Ou comme Billy Elliot. Allez! Oh, qu'est-ce qu'il est mortel ce film! Allez, 15 secondes, on monte le rythme. Allez, les amis. Cinq secondes, on sera sur le shuffle, on sera déplacement latéraux, montée de genoux, et on bloque au bout opposé. C'est parti, montée de genoux, je bloque. Tac, 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 je bloque. Très bien. Allez, encore. Je bloque. Super. Hop, je bloque. Très bien. Je bloque. Super. Je bloque. Très bien. Hop, vous bloquez tout. Le haut du corps et le bas du corps. Très bien. Super. Super. Allez, encore 15 secondes. Très bien, on se déplace comme s'il y avait une petite échelle au sol et je bloque. Très bien. Bloqué 2-3 secondes. Hop. Hop, on bloque, super. Super, on va être en déplacement latéraux et on descend bien. Regardez, hop, je descends, montée de genoux. Je descends. Très bien, vous descendez le dos bien droit. Hop, super. Hop, super. Je descends. Très bien. Si répète, je descends. On travaille les adducteurs, les squats en même temps. Super. Voilà. Hop. Plus ou moins dynamique. Allez, hop. Là, je suis tout bas. Là, je suis dynamique. Hop. Hop. Allez, 5 secondes. On sera sur les fentes arrière croisées. 3, 2, 1. Je croise bien derrière, je descends. Allez. Voilà. Très bien. Je vais bien chercher derrière, je croise. Voilà. Super. Toujours le dos bien droit, on lance les bras vers l'avant. Allez, 20 secondes. On sera sur le mountain climber derrière ou sur les montées de genoux. Allez, 10 secondes. Trois, deux, un, position. Allez, les épaules un petit peu devant les mains. Allez. C'est le dernier exercice. Allez, mettez-vous dans le rouge là. Allez, que ce soit sur les montées de genoux ou le mountain climber. Allez. Oh, 40 secondes. On est très très bien là. On respire. Allez, 30 secondes, on est bien, on est bien. Vingt secondes, c'est super. Allez, encore, encore, 10 secondes. C'est rien, encore. 5, 4, 3, 2, 1. Ouh, super. Marchez, marchez. Super, marchez, marchez, les amis. Hydratez-vous. Allez, prenez l'air là. Ouh.
40 minutes. On est à 40 minutes. Super. Hydratez-vous. Super. On a été bon ce matin. Wouh! Alors, on va faire un retour au calme, sans étirement. Je l'avais marqué, excusez-moi. Mais en fait, quand on vient faire du renforcement comme ça sur une partie spécifique, il ne faut pas s'étirer tout de suite, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on a encore les muscles bien gorgés, d'accord? Donc, pour l'instant, il va falloir marcher, un retour au calme, hydratation là, une bonne hydratation. Donc, il faut marcher. Derrière, une bonne douche froide, une bonne douche très, très, très froide. Donc, l'étirement, vous le faites un peu plus tard, d'accord? Donc, pour vous montrer les postures, donc là, on sera sur les quadris, d'accord? On va être sur les adducteurs, on les a travaillés ce matin. On va aussi faire un exercice, on va croiser les jambes comme ça et descendre le dos bien droit. Alors, ceux qui peuvent aller le plus bas possible, c'est nickel pour travailler toute la chaîne posturale. On travaillera aussi celui-ci. Vous croisez la jambe, vous emmenez votre coude et tout simplement, là c'est pour étirer tout le côté là, de la cuisse derrière, le fessier. Respirez bien, respirez bien. Donc, des étirements, soit ce midi ou ce soir en assouplissement, d'accord? Les amis, nous venons de finir la séance 7 sur 20 du programme Wake Up. Je tiens encore à vous féliciter toutes et tous parce que ce matin, je pense qu'on a franchi un cap avec cette 7e séance. Ça y est, on est vraiment lancé. On a tout rééquilibré. On s'est tous remis d'équerre, que ce soit en termes de cardio, en activation musculaire. Ça y est, je le sens, c'est perceptible. On passe une nouvelle étape. La première étape, c'était on commence. Deuxième étape, c'est le 6e, 7e jour. C'est à peu près par là. Et vous verrez qu'il y a une 3e étape et une 4e étape. En tout cas, bonne journée, bonne continuation. On se retrouve très rapidement pour la séance 8 du programme Wake Up, toujours au taquet. Bisous et soyez toujours au taquet.